Tous. Alors aujourd'hui en vidéo, je te raconte une petite routine du soir. Alors, je t'explique les produits que j'utilise à peu près. Tout d'abord, pour me laver le corps, j'utilise le savon de chez Rituals of Sakura, cerisier du Japon, mon préféré. Ensuite, j'utilise la mousse nettoyante coco pour le visage ou alors un savon noir de chez Action. Après avoir brossé mes dents, j'utilise ces petites brossettes de chez Action pour brosser à l'intérieur de mes dents où la brosse à dents ne passe pas vraiment. J'aime trop me brosser entre les dents, c'est vraiment très hygiénique ces petites brossettes. Et ensuite, pour ma routine dent, je passe encore un fil dentaire entre les dents où la brossette ne passe pas cette fois-ci. Donc le fil passe et je fais tout le contour. Voilà. Quand tout ça c'est terminé, je viens désinfecter ma bouche avec un pain de bouche. Donc celui-ci, je l'avais acheté à la pharmacie, c'est un désinfectant vraiment très 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 puissant. Ensuite, j'applique du démêlant sur mes cheveux. Celui-ci, c'est à la pêche de la marque, je sais plus, mais je l'achète en Allemagne du coup. Et ensuite, je viens placer sur mon visage un sérum. Je sais plus de quelle marque c'est, il est bleu et il est vraiment génial. Il me donne une de ses peaux nettes. Je suis trop ce sérum. Ensuite, je mets une crème de chez Cabotine. Celle-là, je l'ai depuis adolescente parce qu'une fois ma maman me l'a offert lors de mon anniversaire et je n'en m'en suis jamais lassée. Du coup, voilà, elle n'existe plus en magasin, donc des fois je la commande sur internet. Bon, là, il m'en reste encore, mais j'en applique dans le cou. Ensuite, je viens m'habiller et je viens démêler donc mes cheveux comme le démêlant a posé le temps que je fasse tout ça. Je commence par démêler les pointes de mes cheveux et je vais petit à petit démêler du haut en bas, mais vraiment doucement.
quand j'aurai séché les sols, parce que on risque d'avoir un coup dur en fait si on a les pieds trempés et si on utilise le sèche-cheveux, donc c'est pas une bonne idée. Donc du coup, je laisse tomber et je mets ma brume de chez Ritual of Sakura, donc cerisier du Japon, toujours la même senteur, ma préférée. Ensuite, j'ai pas montré l'étape, je m'en excuse, mais soit je me fais une tresse africaine, soit je me fais une tresse simple ou deux tresses sur le côté. Voilà pour éviter que mes cheveux se démêlent trop vite ou alors un chignon, mais en tout cas, je les